Nunchaku Fumi! Avec cette nouvelle victoire, Jet n'est désormais plus qu'à quelques matchs des phases qualificatives finales pour le championnat international d'Akedo, où s'affronteront les plus grands joueurs du circuit. Vous imaginez? Ce sera nous dans quelques semaines. Et maintenant, c'est Ward également dans la course au championnat, qui aplatit son adversaire grâce à son tong géant, qu'il est curieusement le seul à posséder dans tout Akedo. Et comme je l'avais promis, si je parvenais à remporter ce combat, vous êtes tous invités à célébrer la victoire chez moi. Et comme je l'ai promis toute la semaine, nous, on va aller faire un petit tour à sa soirée de victoire pourrie. Yeah! D'ailleurs, si j'en crois les rumeurs sur le Cubnet, il se pourrait qu'il ait invité un guest mystère. Vas-y, Sinfire. C'est pas du tout mon truc, ça. Je préfère mon nouveau guerrier, Puncture. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Trop hardcore! Je disais pas ça pour la musique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où Ward a trouvé son géant. Allez, venez! Cub, comment t'as... Disons qu'avec le Cubnet, j'ai 2 ou 3 relations. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour notre talentueuse tête d'affiche de ce soir, le seul, l'unique, Damien Ward. Wouhou! Ward? C'était lui, le fameux guest mystère? Je veux voir tout le monde danser et tout de suite. C'est un ordre! Et toi, la superstar, ils t'acclament tous et te trouvent génial. Mais sont-ils seulement sincères? En seraient-ils de même sans paye? Bah quoi? Il saura jamais que c'est moi de toute façon. Vous m'expliquez ce que vous fichez ici? Et arrêtez de danser, enfin! Oh! Vous allez me dire que vous êtes venu pour la musique? Oh, alors, vous resterez bien pour le rappel, non? On va régler ça en combat! Guerrier musicien seulement! Compris? C'est d'accord. Puncture assure à la guitare. D'être vrai, c'était batteur avant de passer zombie. Quant à Tailwhip, il manie carrément la basse comme une rockstar. Voyez-vous ça? Eh bien, Screenshot, lui, a été conçu avec un jeu de danse intégré. Hyperlock est tout simplement un maître dans l'art de la danse du robot. Et personne n'a plus de rythme et de précision que Powercorn. Que la fête commence! Toi là, j'espère que t'aimes les bains de foule, tas de ferraille. Fais gaffe, Bria. Celui qui gagne cette manche remportera aussi le combat. Super Mega Ultra Suprême Attaque de Licorne Super Sonic. Go, 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 go. Power Tu n'es pas alerte et concentré, et jamais tu ne pourras évoluer! Non, c'est pas possible! C'est moi qui aurais dû gagner! Ne les laissez surtout pas s'enfuir! J'ai droit à ma revanche! Mon grand, mets le paquet! Pas mon vieux, c'est pas le tout, mais je me ferai bien un petit pogo, moi! C'était juste beaucoup trop cool! Certes, mais on a strictement rien appris des géants par contre. Il se peut que ça nous pose problème quand on atteindra les phases finales. Ouais, mais faut voir le positif, on a quand même réussi à sortir et à échapper à ce concerto bien pourri. Mon cœur saigne. Prêt pour le solo?
alors, on a enfin réussi à trouver Stormstrike, et lui, tout ce qu'il veut, c'est se battre. Hey, c'est Akedo, non? Nous autres guerriers, c'est en se battant qu'on se dit bonjour. T'es sûr de toi, Jet? Chux contre le plus grand de tous les guerriers d'Akedo? Oh, t'as regardé ses stats? Plus de dégâts, deux fois plus de points de vie? Je sais que j'ai des guerriers plus forts que lui, mais je vais le faire avec Chux. On a commencé ensemble et on finira ensemble. C'est ça l'amitié. Oh, il est fichu. Alors, tu crois que tu es assez vaillant? Laissons-la tenter! En décider. D'accord, mais chez moi, la météo annonce un ciel couvert avec des risques de split strike. Nunchaku Fury! Est-ce que tu entends la foudre? Elle annonce ta défaite. Pareil que tu ne t'attendais pas à ça. Encore un ou deux coups comme ça et... Tu n'es pas assez vaillant. Hé, où est-ce qu'il va? Comment je vais avoir Turbo Chux et comment on va arrêter Ward? J'ai besoin de lui. Je suis même pas sûre que quelqu'un soit vraiment capable de maîtriser Stormstrike. Hé, hey, j'en ai pas fini avec toi. Chux a encore des points de vie et j'ai besoin de ton aide. En effet, mais Stormstrike combat uniquement pour ceux qui n'ont plus la force de se battre. Il s'est passé quoi, là? J'en sais rien, mais ce truc-là ne me dit rien qui vaille. C'est pas nous qui avons fait ça, pas vrai? Non, je crois pas. Mais j'ai comme l'impression que la fissure est de plus en plus grande. Les commentaires s'affolent sur Cobnet. Certains disent que c'est un virus, d'autres une mise à jour, mais personne ne sait. Tout le monde se déconnecte pour ne pas prendre de risques. Sage décision. Il paraît que ce genre de truc peut nous faire perdre notre sauvegarde, notre rang, nos guerriers, notre XP, enfin tout, quoi. Bon alors, on se déconnecte? Et pourquoi ils se déconnectent pas, eux? J'en sais rien. Slither peut faire bugger des guerriers. Qui sait quelle pagaille elle est capable de semer quand le jeu est vulnérable comme ça? Hé, Ward! Je te défie, alors te défile pas! T'es sérieux? Tu veux vraiment faire ça maintenant? T'as mieux à faire, peut-être? Figure-toi que oui, justement. Oh, dommage! Et moi qui comptais miser mon Turbo Chux dans ce combat? Et moi, j'ai une meilleure idée. Tu vas miser tous tes guerriers. Comme ça, quand je t'aurai battu, tu n'auras plus rien. Et tu ne viendras plus jamais me courir dans les pattes. Tu m'entends? Plus jamais! Prêt à l'attaque? Ils sont nombreux à avoir essayé, mais personne ne peut arrêter Miss Slither. Quoi? J'écoutais pas. Tu veux bien me dire ça en face? Kung Fu! Tiens bon, Chux! On va y arriver! Tu sais très bien que c'est couru d'avance. Tu vas tout perdre. Pourquoi tu t'obstines? Quelqu'un doit protéger Akedo. Et puis, comment je vais pouvoir te battre et devenir le champion d'Akedo si tu détruis le jeu? Stormstrike? Il existe vraiment? Ouais, il combat uniquement pour ceux qui n'ont plus la force de se battre, et on dirait bien que c'est mon tour. Sois vaillant, mon ami. Oh non! Pas Turbo Chux! Il n'y a qu'un seul plus grand guerrier d'Akedo. Génial! Maintenant, tu veux bien dire à Stormstrike de revenir pour régler ça? Oh, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Qu'est-ce que mais... C'est quoi ce truc? Vous croyez qu'on a cassé le jeu? Non! 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 C'est pas vrai! On a cassé le jeu!
Nom d'un petit Storm Strike en mousse, c'est revenu. Hein? Nom d'un grand Storm Strike en mousse, il y a de nouveaux guerriers. Les amis, mise à jour, Akedo, Watt, Slitter, et puis un gros machin. Oui, on sait. Akedo a enfin été remis en ligne tout à l'heure. Il y a des tonnes de nouveautés, notamment ce truc qui n'a franchement pas l'air très commode. Pourquoi je suis le dernier à être au courant? Vous voyez, c'est pour ça que je dors pas la nuit. Attendez, vous savez ce que ça veut dire s'il y a de nouveaux guerriers? Et en route pour le marché! Il y a de nouvelles quêtes annexes et de nouveaux guerriers. En plus, avec ce que Ward a fait pendant la mise à jour, les guerriers buggés sont autorisés maintenant. Oui, d'ailleurs... Il a fait quoi, au juste? Aucune idée, mais j'ai l'impression que Chuck, Tailwhip et Shreddy ont aussi eu droit à des améliorations. Attendez un peu de voir le nouveau look de Tailwhip. Je peux vous dire qu'il est mortel. Voici le nouveau guerrier qui explose des guitares, fait hurler le métal et trembler ses adversaires, Puncher! Il est le maître éternel de la légendaire flamme immortelle! Voici Fantomous! Il y en a tellement! Queen Shiver, Cro-Mag, Madame Furball... Ah! C'est magnifique! Ha! Je savais pas qu'il était du genre à aimer les licornes. Avec lui, vous allez découvrir toutes les douleurs de l'arc-en-ciel! C'est... Power Core! Encode? Je l'ai vu pendant la mise à jour. Les amis, vous ressentez ça, vous aussi? C'est eux, c'est les guerriers géants! Ils apparaissent au hasard dans le jeu. Et tout le monde veut être le premier à se battre contre eux. Parce que si on les bat, on peut les garder. Oui, enfin, apparemment, il n'y a que Ward qui a réussi à en battre pour l'instant. Ça va, c'est un gros guerrier, alors c'est pas la mort. Il doit pas être... Si... balèze... Donc... Cub! Nom d'un petit ours en peluche, tu déchires encore plus qu'avant. Je vais le câliner si fort qu'il va s'étouffer! Cub, t'as pas utilisé Shreddy depuis qu'il a été amélioré! T'as vraiment l'intention de te frotter à ce truc? T'en fais pas pour moi! Plus ils sont gros, plus ils tombent de haut! Tour de tombe maintenant! Bon, d'accord, il est peut-être aussi balèze qu'il en a l'air, mais sans doute pas aussi balèze que ta nouvelle autopsie circulaire! Viens voir, Shreddy! Je veux pas voir ça! Ça chatouille tout! Petit nounou sans pluie est rigolo! Son armure est trop forte, ça ne lui fait quasiment rien! Ah, ça veut dire qu'on va devoir le frapper encore plus fort, Shreddy! Donc on a marre de petits nounours en peluche. Donc démolis l'ourson! T'as dit qu'ils étaient forts, c'est vrai. Mais là, c'était encore plus que ça. Il n'était pas turbo ni buggé, il était... géant. Oui, c'est exactement ça. On a de la chance qu'il ait débarrassé le plancher après t'avoir tonké. Ah, ouais! C'était marrant. Les sélections pour le grand championnat sont dans quelques semaines à peine, alors allons nous entraîner pour qu'Akedo puisse découvrir le tout nouveau guerrier surpuissant, Epic Shreddy Bear! Et n'oublie pas Epic Chuxley! Oui, et Epic Tailwhip aussi! Ah! Je vous l'avais bien dit qu'il était mortel!